Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, en fait, on se retrouve parce que j'ai fait ma palle pour les aventuriales. Et donc, ça me permet, cette vidéo, de vous présenter cette palle et aussi de vous parler un petit peu de ce salon. Alors, je me rends compte que je suis dans une région où j'ai quand même pas mal de chance au niveau des salons. Donc, il y en a deux qui sont très connus. Il y a la fête du livre de Saint-Étienne, qui aura lieu très bientôt, début octobre. Donc, je vais sûrement vous en reparler. On a aussi Quai du Polar qui est plutôt en avril en général, là c'est à Lyon. Et on a deux salons qui sont en train de grossir. L'un qui s'appelle les Onirics, auquel je suis allée en mars cette année, qui a lieu tous les 2 ans. Donc là ce ne sera pas avant 2019, la nouvelle édition. Et un autre qui est un petit peu plus loin pour moi en tout cas, qui s'appelle les Aventuriales et qui se passe en septembre. C'est donc à propos de ces aventuriales que je vous tourne cette vidéo. Je vous mettrai le lien vers le site si vous êtes intéressé pour que vous ayez toutes les infos, hébergement, comment s'y rendre, les auteurs présents, et puis ce qui peut aussi se passer autour. Donc, par rapport à la palle, je vais vous présenter les livres vraiment assez vite parce que vous les avez tous vus ou en book-haul ou même dans ma palme, parce que je commence déjà à en lire certains. Alors, de Aurélie Wellenstein, je vais lire La mort du temps, paru chez Scrinéo. De Jean-Luc Marcastel, je compte lire L'auberge entre les mondes, paru chez Flammarion Jeunesse. C'est le premier tome, Péril en cuisine. Karina Rosenfeld, je vais lire Eve, paru chez Syros. De Estelle Faye, ce sera le second tome de La Voix des Oracles, Enoch, paru chez Scrinéo. Alors, une auteure que vous ne voyez pas souvent, et pourtant j'ai plusieurs de ses livres, Silène Edgar, je vais lire Adèle et les Noces de la Reine Margot, publié chez Castlemore. À nouveau Karina Rosenfeld parce que je ne m'en lasse pas. Le dernier tome de la quête des livres mondes, le livre du temps, publié chez l'Atalante Jeunesse. Le fameux Jean Vigne, Néa Chronicle, le premier tome, qui s'appelle Memento Mori, publié chez Le Chat Noir. De Olivier Guay, le premier tome de, pardon, Le Noir et ma couleur, Le Paris, publié chez Rajo. Ensuite, de Joanne Elliott, Le Fer au cœur, publié chez Gulfstream, collection électrogène. Et enfin, Rebecca Kean, de Cassandra O'Donnell, le quatrième tome Ancestral, publié chez J'ai lu. Donc ce que je ferai bien sûr, c'est que je vais tenter de vlogger, pas comme pour les Imaginales et revenir avec Peanuts. Je vais aussi bien sûr faire des achats, donc le cinquième tome de Rebecca Kean, le troisième tome de La Voix des Oracles, le premier tome de Karina Rosenfeld de sa deuxième partie de saga, Zalim 2 s'il est sorti. Qu'est-ce que j'ai noté? Évidemment, si j'aime Le Noir et ma couleur, bah, il y aura le deuxième tome par Olivier Guay, donc, et la suite de Néa Chronicle par Jean Vigne. Silène Edgar, je crois, a sorti un roman, ou en tout cas j'ai vu un roman moins jeunesse qui m'intéresse, donc j'irai la voir pour ça aussi. Et de Aurélie Wellenstein, je prendrai Le Roi des Fauves, puisque il me manque, je crois que celui-ci, à vérifier. Voilà. Donc après je sais qu'il y aura aussi Kayla Marshall de Estelle Wagner, le premier tome chez Le Chat Noir. Puisque les indés de l'imaginaire seront présents, donc je pense que je vais aussi faire des achats. Peut-être le troisième tome de Viridienne, enfin tu ris des récits du demi-loup, je ne sais pas. Voilà, je préfère ne pas prévoir les achats un peu plus impulsifs. En tout cas, j'essaierai de vous emmener avec moi, et si jamais ça ne fonctionne pas pour X raisons, et je vous ferai un retour. Dans tous les cas, j'y suis au moins le 23 et j'espère le 24 parce que, évidemment, sinon c'est pas drôle, je suis d'anniversaire.
Donc voilà, ça complique un peu le truc. Donc je vais voir si je peux pas zapper l'anniversaire. Je suis pas sympa en fait, hein. Mais bref, je peste. Donc voilà, ça a été super rapide, mais bon, j'ai pas envie de vous abreuver pour l'instant d'éléments. Je préfère vous en reparler une fois que ce sera passé. Donc d'ici là, je vous souhaite en tout cas de continuer à faire de très bonnes lectures. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!